l'activité, je présente, tu déclenches, ou le bras avant ou le bras arrière. D'accord ? Deux passages de leçon, deux passages de bouclier et deux passages de frites. 1, 2, 1, 2, test micro, on va commencer l'interview. Salut, moi Sébastien Balesta, j'ai 27 ans, 7 ans que je suis boxeur pro maintenant. Invaincu en 24 combats professionnels, 4 fois champion de France, champion IBO Méditerranée et champion WBC francophone. J'ai l'esprit compétition depuis tout petit, quoi. Quand tu as ça dans ton ADN, quand tu es un compétiteur, eh ben, tu veux gagner, quel que soit le sport, quel que soit le domaine. Et depuis petit, voilà, j'ai toujours eu cette gagne en moi. Ça a toujours été comme ça. Et ça, tu l'as en toi ou tu ne l'as pas. C'était peut-être ma destinée, ouais, d'être boxeur. Il y a une partie de ma famille qui a été boxeur. J'ai pas atterri dans ce sport par hasard. C'était le sport qui me correspondait peut-être le mieux. J'ai déjà écrit quelques belles lignes à mon palmarès. C'est encore plus beau parce que voilà, aujourd'hui, du sport individuel qui est la boxe, pour moi, j'ai toute une équipe autour de moi et derrière moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis fier de ça. Le combat qui m'a révélé et qui a été le plus dur, c'est contre Garrido. Ça a été mon 4e championnat de France. Je vous dis que pour devenir un nom, il fallait affronter des noms. Et c'est ce nom qui me manquait sur mon palmarès. Et voilà, et on a fait un grand combat. Respect à lui encore aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'apprécie au-delà du sport. Mais c'est vrai que ce combat m'a permis de rentrer dans une autre dimension, dans le sens où pendant les 10 rounds, on s'est tapé dessus comme des chiens, quoi. Donc voilà, c'est ce qui fait qui rend la victoire encore plus belle et qui a fait que ce combat a marqué les esprits. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un travail aménagé, un emploi aménagé. Je travaille pour la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée. Je les remercie de m'accompagner dans ma carrière et c'est une grande aide pour moi de pouvoir concilier le sport et d'avoir un travail à côté. Un bon équilibre. Je fais mes débuts de préparation ici à Marossan avec Patrice Guidoni et mon père. Il s'occupe de moi physiquement. Et puis ensuite, au-delà de ça, je m'en vais en région parisienne, au Muro, les Frères Alab, où vraiment c'est un gros club, c'est une usine à champions. Là-bas, je me sens bien parce que je pense qu'à la boxe. Voilà, j'espère que ça mènera le plus haut possible et le plus loin possible et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je vais être champion d'Europe. Je veux écrire mon nom à ce palmarès-là et voilà, ça serait la suite logique. J'espère que j'aurai ma chance européenne très rapidement et je suis prêt pour vous boxer. Je suis prêt. Ouais, c'est ça. Ouais. Double. Ouais, c'est ça, double pour le. Ouais, remets-le. Super. Un. Uppercut. Bien, mon grand.